taper un sens avant la montagneur qui bascule derrière, je crois. Ah mec, trop lourd. Trop lourd. On va aller faire le petit plein. Allez, on va faire le petit plein. La bonne nouvelle, c'est que j'ai reçu ma nouvelle carte, tu vois. Comme ça, je suis plus en chien. Bon, je peux plus trop utiliser la carte des darons. Ça fait chier. Et avec ces Lium là, donne-moi ça là, tout de suite. C'est à ce moment-là que tu verras pas mon code. Eh ouais, je sais que t'es un escroc. Eh non, tu le verras pas. Y'a pas de nanani, y'a pas de nanana, fais pas le gamin là, t'auras pas mon code, c'est tout. De toute façon, si tu voyais ce que j'avais sur mon compte, tu seras un petit peu déçu, mon ami. Non, j'ai pas la carte de club, je suis un prolo, moi, que tu crois. Oh putain, là, il va. Là, il va me coûter cher celui-là. Allez, c'est parti. C'est parti, l'enculage commence. Putain, 10 euros déjà. La pression monte, la pression augmente. Oh là 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 là, ça monte trop vite, putain. Oh. 25 euros, super. Putain de sa mère pour 14 litres. L'escroquerie n'est jamais finie, mon gars. Bah ouais, mon Allez, on n'y tient pas, on met le trip à zéro parce qu'on a mec bien. Et c'est reparti. Ah. Est-ce que je vais pouvoir le remettre vite en deux spi? Ouais, c'est bon. Putain, je suis bêche. Je suis vraiment un mec bien quand même. Hein. Oh là 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 là. Sans filage de gants, le feu est vert. Et on est parti. Donc là, on va où? Là, on va aller voir le frérot Rascal. Parce que c'est bon, j'ai enfin reçu les pièces pour mon pot. Donc normalement, ce soir, je repars avec le R11. Je sais pas encore si je vais mettre les liserés de jantes. Putain, depuis le temps que j'attendais ça. Après, je pense pas qu'il y aura une différence de ouf en termes de sonorité par rapport à ce que j'ai là. Bon, je pense qu'il va faire un peu plus de bruit, mais pas ouf. Par contre, quand je vais mettre les connecteurs, alors là, mon gars... Fast and Furious. Là, je pense que ça va envoyer du steak. Mais bon, les collecteurs à rose, c'est 600 balles, ça reste. Donc, piano. Oh, j'ai chaud, là. Bon, je suis désolé si t'as de l'air dans la gueule, mais je suis trop chaud, là. Putain, depuis le temps que j'attendais ce R11. T'imagines, depuis que j'ai acheté cette moto, je me disais, il faut que je mette le R11. En fait, pour être totalement franc avec toi, j'hésitais entre deux pots. Donc, le R11 que je vais monter ce soir, avec le frérot Rascal. Et j'hésitais également avec le Scorpion qui ressemble un peu à une boîte d'aussi, tu vois. Je te montrerai une photo. Et finalement, c'est vrai que Rascal n'a pas tort. Je peux pas mettre un Scorpion sur un GSXR. Avec un GSXR, c'est que Yosh, tu vois. Donc du coup, bah voilà, comme j'ai pas de personnalité, on va mettre un Yosh dessus. Et c'est vrai qu'il est hyper joli, quoi. Après, je me tâte à mettre du coup le liseré de jante Yoshimura, je sais pas encore. Je verrai bien. Pour ceux qui me suivent pas encore sur Insta et sur Snap, mes réseaux vont s'afficher en bas à gauche de l'écran, donc n'hésite pas à aller me suivre. Pour tous ceux qui me suivent, forcément, vous avez vu en avant-première ce que donne le pot sur la moto, avec le son, une mise en situation, on va dire. Pour les plus observateurs, vous aurez capté que oui, j'ai une nouvelle bulle. Et cette fois, les amis, elle est full black. Donc typiquement, là, si je me mets comme ça, tu vois beaucoup moins ce qui se passe. Alors bon, c'est vrai que quand t'as la tête dans la bulle, forcément, c'est pas hyper pratique. Je te l'accorde. Par contre, vu que je suis très rarement la tête dans la bulle, parce que pas besoin, à part si t'es à des vitesses folles, je me suis dit autant aller à un look plus sympathique. Donc voilà, la petite bulle noire full black qui termine bien le look de la moto, je trouve. Bon allez, sur ce, on se retrouve juste après avoir posé le pot, quand je serai sorti de chez le frérot Rascal, et je te ferai un petit review de ce nouveau pot d'échappement, les frérots. Comment on va métamorphoser le Gex Ouloulou. We'll be right back.
C'est bon, elle est terminée mon gars. Elle est terminée. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne les frérots. Si c'est pas magnifique. Oh là 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 là. Franchement les amis, là je suis sur le cul. C'est une machine de guerre le bordel. C'est une machine de guerre. Ah putain les amis, je suis tellement heureux là. Là elle est comme j'aime. Le liseré de jante qui va bien, le Yocheron qui est présent maintenant sur la moto. Je kiffe. Bon finalement avec Rascal on aura mis 3 heures le temps de tout monter. Donc à savoir démonter le body, faire un petit coup de propre sur les collecteurs, remonter donc le Yoshimura R11, mettre un coup de propre sur les jantes. Et ce qui nous a pris le plus de temps, c'est mettre le liseré sur les jantes. Ça, pour le coup, ça nous a pris énormément de temps. Je pense que je remercierai jamais assez Rascal. Hein. Je sais que tu regarderas la vidéo. Donc, un énorme merci à toi, mon pote. Franchement, t'as géré de ouf. Vraiment, vraiment. Sans toi, j'aurais clairement pas fait aussi bien. Donc, je pense que, au nom de tous les abonnés et de moi-même, on ne peut que te remercier du coup de main que tu m'as filé. Je vous ferai une vidéo plus travaillée du résultat en arsouillant un petit peu avec le son du R11. Après, de vous à moi, vous n'allez pas avoir une grosse différence en termes de son. Ce qui est assez normal dans le sens où le body s'était également déchicané. Mais surtout, là où vous allez avoir une grosse différence, c'est... Là vous allez voir surtout une grosse différence, c'est quand je vais mettre les collecteurs. Alors là la team, quand je vais mettre les collecteurs, je pense que vous ne serez pas prêts, clairement. Ouais, clairement il y a moyen que ça fasse un son de ouf avec le collecteur. Always look on the bright side of life.